c'est Dark et on se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le jeu The Escapist, The Walking Dead. Allez, c'est parti, en avant les go. Alors, faisant face à un adversaire à la gâchette facile, le chef de la police, Rick Grimes, et son partenaire John se retrouvent dans une situation difficile, sans aucun renfort en vue. Couvre-moi! Rick, non, Rick! Pas toi! Oh, Rick est à l'hôpital. J'aime bien la petite musique. Donc, j'espère que vous allez bien et que vos vacances se déroulent. Pour ceux qui sont en vacances, bien sûr, se déroule comme vous le voulez, hein, et que vous passez du bon temps et que vous reposiez. C'est ce qui est le plus important. Allez. Donc voilà, tic 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 tic. Ok, ok, faire marcher Rick jusqu'au bureau. Ok, voilà, ok. Bon, comme vous le voyez, hein, on incarne Rick, chef de la police, mais gardien de la paix avant tout. Et agent de la paix avant tout. Ouais, c'est bon, il est sélectionné. Non, bah, fabrication. Voilà, après, je vais couper. Je me suis perdu. Alors, allez.
palette de R. D'accord, c'est bon. Il coupe, ok. Et un nouveau sac. Je m'étais perdu dans le menu du jeu. Gros boulos. Encore un livre. Je suis bien content, dis donc. Ouais, j'ai trouvé le volume 2. Ah, d'accord. De toute façon, je l'ai plus, donc on peut l'utiliser que deux fois, ok. Il y a un sac là-bas. J'ai vu un sac. Attends, la flèche. Oh bah, le volume 3, ouais, bah dis donc, on va avoir quoi de lire. C'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il faut arrêter de lire. Oh. Je sais pas si faire du bruit ça attire les zombies. Que s'est-il passé? Je sais. Oh putain. Putain. Bon, je me. Ah si. Bah, je fais quoi? Sérieusement? Non. Bah, je vais pas pouvoir tous les tuer, je vais mourir en fait. Ah, d'accord, il y avait une flèche là. Merde. J'avais pas vu la flèche, comme d'hab. C'était quoi, bon sang? Je ne sais. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Je me souviens plus. D'accord. Dégainé, ok. Il y a un trou là. Mais là-bas, il y avait. Oh, c'est chaud pour tuer un zombie avec le pistolet. Pelle solide. Ah, oh, bah, je prends. Faut que je remonte, c'est ça? Ah non, ok. Ça va fermer, ok. Allez, on va dans le tunnel, c'est ça. J'ai peur. J'ai plus de pelle, d'accord. Tiens, un zombie. C'est balai limité. Oh la vache, il m'a touché lui, non? Ouais. J'avais pas vu elle. Eh non, madame. Voilà. Ah là là, il est là, le sac. Oh bah, encore un livre, allez. Oui, j'ai trouvé le volume 4. Oh, il s'en va. Après son premier contact avec les morts vivants, Rick, désorienté et effrayé, continue de marcher dans un palourd. Je veux dire, dans un palourd. Dans une palourde, il marche dans une palourde. Nous y voilà. Rick! Papa! Oh, bah c'est Carl. Alors, je crois que c'est le personnage que je déteste le plus dans la série. J'étais tellement inquiet pour toi. Inquiète. Pour toi. Après avoir rencontré un étranger nommé Glenn, qui l'invite dans son camp, Rick est stupéfié lorsque, contre toute attente, il trouve réuni avec sa femme, Laurie. Après cette plénoyée, dans sa curiosité, Rick décide d'autoriser son fils Carl à se joindre à lui et Tyrese pour une partie de chasse, d'accord. Je crois qu'il y a quelque chose devant nous. Oh la vache, non. S'il vous plaît, ne tirez pas. C'était un accident, je le jure. Je le jure devant Dieu. La ferme où je vis, le type qui possède l'endroit a un fils qui s'est fait tirer dans le pied. Il a retiré la balle, il l'a remis sur pied. Ah. Il dirait le pied, il l'a remis sur le pied. Bon pied, bon oeil. Pendant la partie de chasse, Carl se fait tirer dessus par accident par un fermier local du nom d'Otis, regrettant son action et voulant faire amende honorable. Otis rêve. Oh. Faut que je me réveille en pleine nuit, c'est ça. Oh. Rick, j'espère que vous avez quand même pu vous reposer malgré la situation, mais je veux que vous sachiez que Carl est entre de bonnes mains. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir. Otis m'a assuré que ce n'est pas un accident, et je le crois. J'espère que vous le pouvez aussi. Quand vous vous êtes réveillé, vous devriez participer au comptage.
et garder le moral des survivants au top. Je viendrai voir plus tard, Rick. Ok. Donc je me réveille. Je vais aller au comptage. Ah, j'ai plus mon pistolet. Glenn. Ah, il y a Glenn. Ah, tâche quotidienne, ok. En tant que chef de groupe, contenez la menace des marcheurs en n'oubliant pas de compter les résidents, assister au repas, accomplir les tâches domestiques. N'oubliez pas de garder comme priorité pour les sentinelles qui ont soin de vos compagnons suivants et de maintenir leurs marcheurs hors de quartier. Suivez les feuilles rouges en direction de chaque routine. Ok. Et je suis comment le comptage? Ah, c'est là, ils arrivent. Faut peut-être attendre qu'ils arrivent tous, du coup, c'est ça. Vous pensez que. Ouais. Comment on compte là? Dénombrement du matin. Ok, c'est fait. Tiens, Maggie. Tiens, toi, Glenn. Ah, d'accord. Allez. Assister au petit-déj. Ok. Sa santé, la rapidité de ses attaques, d'accord. Hein. Ok. Mais ça, je peux pas nettoyer. Rick. Ah, d'accord. Allez, on y va. Allez, j'ai gagné un point. Non, ce moment correspond au matin et l'après-midi, soir, d'accord. Et je vais faire quoi là? D'accord. Là, je viens de perdre énormément d'énergie. Mais est-ce que je dois faire quoi en fait? Salut. Y'a pas de tâche à faire? Non, je voudrais laver ça, on peut pas, non? Ok. C'est quoi là? Hop. Ça, c'est un lit, ok. Matin, d'accord, là c'est le matin, ok. Donc tu en fais ce qu'on veut, c'est ça? Toi.
j'ai fini ma tâche, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Midi, peut-être aller manger. Ça. Tiens. Mais les gars, j'ai un briquet, regardez. Et j'espère que je vais pas obligé de faire la vaisselle, ouais, ce n'est pas si mal en fait. Et je te pique ta place. Oh, c'est bien, du coup. Je ne sais pas. Peu importe, si j'ai peur, je trouve toujours la force de manger quelque chose. Après, on fait quoi? Je vais avoir besoin que vous me récupérez des objets. Ok. J'y vais. Je vais récupérer des objets pour mon fils. Là. Et tout ça à toi. Ramasser les forceps. Forceps. Envoyez, pas besoin. Ah, il faut que je retourne là-bas. Poussez-vous. Ramasser les bandages. Pourquoi les bandages ne sont pas avec les forceps? Le mec, il pouvait pas faire une armoire infirmerie comme tout le monde, quoi. Putain, je le sens mal, non? Bandage. Ah bah voilà, bah oui. Moi j'irai chercher tout ça après, je pense. J'ai recherché, parce que j'ai plus qu'une place. En fait, comme je me suis amusé à fouiller. Donc j'irai voir après. Appuyez-en, tout en utiliser les objets de mon inventaire, fabriquer quelque chose d'utile. Fabriquer le kit opératoire, d'accord. Alors. Ça, plus ça, plus ça. Regarde, kit opératoire, ok. Trouver Herschel, Herschel. Ah bah lui, il est là en train de bouffer, hein. Il reste pas à côté de mon fils. Hein. C'est quand même celui qui doit soigner, sauver mon fils. Et là, il est parti manger. Ça chambouille. Tiens ma poule. Recruter des sorts. Une icône apparaît au-dessus des sorts ayant un moral élevé. Lorsque vous essayez de. Si on peut être recruté, si vous avez tout le monde. D'accord. Allez, viens. Il faut sauver Rick. Non, pas Rick. Carl. Je crois que je l'ai. Tenez-le tranquille. Si vous tirez là-bas, j'ai arrêté l'hémorragie. La grange, ce n'est pas un lieu que vous aurez à visiter. D'accord, je peux faire rond. On te rattrapera, Rink. Hein? Examinez la grange. Ah putain, c'est dans la grange que nous gardons tous les morts. Je vois des morts. Les morts, ceux qui causent tous ces soucis. Armée du survivant. Vous écrivez les survivants avec les armes et les armures. Tenez, prêt. Ok. 2000 years later. Bon, les amis, on est jour 3. Je suis arrivé à tous les armées. Du coup, on va. Ouais, ils vont venir avec moi. Mais par contre, j'ai pas trouvé comment on faisait. Mais non, on va y aller avec ces trois là, un peu de balle, et on va détruire ça. Allez hop, trouver faire les armures, voilà, j'ai pas trouvé comment faire les armures, allez. Donc c'était un peu... Bah c'est là, j'ai pas trouvé ce qu'il fallait surtout. Ah, très bien, on y retourne. Je me sers de...
t'es sérieux? L'établissement correctionnel de Mayweather. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo, de faire connaître la chaîne à vos amis, à vos familles et à tout le monde, à votre voisin ou voisine. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.